Salut à tous, c'est Monsieur Malia, deuxième épisode de la série. Aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'attarder à faire la maison, parce que maintenant il fait toujours, hein, j'ai quand même survécu aux foutus zombies qui ont essayé de me tuer, et vous remarquez que je suis toujours sur le petit personnage le moins évolué. Bon, sur les peu de commentaires que j'ai reçus sur la vidéo, j'ai compris qu'il fallait que je le garde. C'est quand même mieux de recommencer de commencer du début quand on revient après un bon mois d'absence. Non! Non, oh! Je veux pas le tuer ce lapin! C'est bon quoi! Hey! Va lapin, va! Ah puis merde, si je le bute! Lancer de lapin! Oh, salut Flubber! Salut Flubber! Ah! Mais ah! Méchant Flubber! Je fais du lancer de lapin, c'est génial! Ah, mais il faut que je me souvienne qu'à l'est il y a le monde corrompu! Ah! Ah puis zut! J'y vais. Oula. Oula, oula. Bon, on va voir quel genre de bestiole on a là-bas. Oh, mangeur d'âme. C'est chouette comme nom. Ça met vachement confiance, quoi. Bon, par contre, je devrais faire en sorte de monter plus vite parce que sinon je vais me faire plomber, je pense. Allez. Non, non, non. Oh non. Oh non, non, non. Oh non, 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 non. Va-t'en. Va-t'en, t'es moche. Non, va-t'en. Et puis t'es gros en plus. Mais par contre, tu meurs vite, donc c'est plutôt utile. Ah! Encore un flubber en moins sur cette planète. Ouh, mais c'est intéressant ça pour se faire une petite maison, non? Pensez pas. Mais c'est de se faire un petit manoir en bois, non? On va se faire un chalet. C'est rustique. Oh, c'est pas mal comme idée, ça, non? Ce que je vais me faire, allez hop. On va aplanir tout ça. On va essayer de combler les trous. Eh, c'est pas possible! Je peux pas atteindre les trous! Allez! Allez! Bon, on va y arriver, on va y arriver. Ah, là, ça devrait être parfait, là. Je vais pas non plus habiter dans la forêt, hein. Soyons pas fous non plus. Ouais, on va pouvoir utiliser toute cette partie, je pense, toute cette partie flottante. Par contre, il faudra que j'éclaire en dessous, ça va pas l'air très, très sympathique, hein. Et on va s'arrêter là, hop. Voilà. Et là, on va pouvoir faire des... On va pouvoir commencer à surélever un petit peu. Voilà, c'est bien. On a fait une petite motte de terre. C'est beau. Ça serait ma motte de terre personnelle. Faut dire qu'il n'y a pas vraiment grand monde sur l'île. ouais. Oh, mais j'ai une étoile. Non, mon bois. Reste avec moi. Reste avec moi. T'avises pas de sauter. Ouais. On va quand même, au final, là... L'éloigner un peu plus la motte parce que là j'ai pas vraiment beaucoup de place pour faire la maison. Ouais, là ça devrait. Non, on va l'enlever carrément. Hein. Alors, maintenant, quel genre de maison on va pouvoir faire? Bah, on va faire tout bête. On va commencer par faire des trucs en planche parce que. Excusez-moi. Parce qu'on a pas trop le choix. Hein. La 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 la. Ah oh là 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 là. Ouais, c'est ça, va-t'en, reviens pas, reviens pas. Non, non. La tête trop grande. J'ai la tête qui bloque. Il va falloir que je me fasse... Faut que j'aille voir le coiffeur. Coiffure trop. Quand même, il y a des problèmes, il y a des sacrés problèmes niveau capillaire, le gars. Hein. Arriver à pas passer par... Arriver à pas passer dans un trou parce qu'il a des cheveux trop grands, c'est... Wow! Eh ben... Faut voir un docteur, hein! Alors... on va poser notre four... on n'avait pas une enclume? Ah si, elle est là. Hop, on va faire des portes. On sait jamais. Et un peu de lumière. Ah, mais je peux encore me faire des... Oh, mais c'est chouette. Je peux me faire des toilettes. Hop, 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 hop. Oh, un marteau, il m'en faut un. Hop, hop. Oh, je peux me faire un casque. Yeah. Tada. J'ai l'air faim, hein. Pam pam. Parapapapam. Pam pam pam. Voilà. Bon, alors, maintenant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah déjà on va se mettre une table je pense parce que si on mange par terre, oh, ça glisse un peu trop doucement à mon goût. Hein.
J'ai un petit bug en fait avec Fraps, c'est que ça me ralentit les frames du coup quand je glisse dans les. Enfin, quand je parcours le menu de craft, ça rame vraiment beaucoup trop. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas très sympa quoi. Ah, c'est pas très sympathique. Bon, on va faire habiter le guide ici, je pense. Comme ça, il va se taper l'incruste chez moi. Je vais devoir aller le chercher quand même. Je vais pas quand même devoir aller le chercher, ce gros flemmard là. Ah! Eh oh, du calme, Flubber. Tu m'as fait peur en plus. Ah bah t'es là. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? T'es pas un nain que je sache. Qu'est-ce que tu viens faire ici en plus? Encore un Flubber de mort. Yeah! Oh lolo. Ah! Lag. C'est bon. Arrête de danser, l'imbécile. Je vais te faire sortir. Oh, un œil. Sauf que maintenant j'ai une épée et un casque. J'ai un guide en otage. Fais pas l'idiot, Johnny. Mais attends, c'est mon guide. Oups. Ah ah. Je vais te mettre le doigt dans l'œil, tu vas voir. Ouais, bon, c'est mieux les shuriken dans l'œil, je pense. Allez, bien. Dustin. C'est bizarre comme nom, ça. Allez, bien. On rentre à la maison. Oh non. Non, on va pas te noyer. Va pas te noyer. Ah, vite, faut que je fasse un pont. Oh, mais il est fou ce type. Oh, comment il a massacré le lapin. Ah. Maltraitance des animaux, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, le zombie? Comment il a fait pour monter? Allez, viens, monsieur guide. Viens. Quoi que non, viens. C'est moi où j'ai enfermé un lapin dans l'eau. Oups. Oui, qui c'est? Ah. Toqué avant d'entrer, mon œil, ouais. Mais oh, allez, viens, l'andouille, viens. Oh, mais arrête de faire la danseuse étoile. Oh, une étoile. C'est joli. Bon, on va voir ce qui se passe à l'ouest. Je crois qu'on avait fait ça au départ, hein. Parce que là, dans cette caverne, il n'y a plus rien. J'ai tout pris, normalement. Bon, il fait nuit, je vais aller me promener un petit peu. Hein. Je ferais mieux de pas me retourner ni de m'arrêter, je pense. Il y a un zombie derrière moi, ce que j'entends. Ah. Quelle belle coiffure, mon cher. Bouffe mes shuriken. Oulala. Mais il va vite en plus, Saligo. Il saute bien loin pour un zombie. Paf paf. Oh, une étoile. Oui, une étoile. Yeah. Oh oh. Reste dans l'eau. Reste dans l'eau. Non, viens pas, c'est bon. J'ai déjà donné. Ah. Oh, salut les gars. Ça va? Tranquille la vie, en bas. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est, ça. Et vous montrer, moi. Ouh. Ah oui, c'est là que j'étais allé la dernière fois que j'avais paniqué. Je m'en souviens. Ah. Oulala. Champignon. Viens. Viens te battre. Aïe. Mais. Ah, mais. Arrête de bouger. Moi, je fais du zombie pong. On est du ping-pong. Oh punaise. Mais tape vite et tape fort, c'est Saligo. Allez. Ah, ça va bien tout le jour. Enfin, j'espère. Mais ouste. Ah. Oh. Étoile. Oui. Étoile. Youpi. Ah. Oh. Allez. Au pied. Reviens ici. Vous interdit de partir. Ah. Attends, qu'est-ce que j'entends là? Contre quoi il tape là? Contre une porte? Attends, mais j'ai pas une porte ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une porte sous terre? C'est bien d'accord, j'ai pas halluciné, j'ai entendu une porte. On a entendu une porte se faire taper dessus là. C'est bizarre. On va voir ce qui se passe, mais c'est bizarre. Oh, bah, ah bah oui, voilà, une porte. C'est bien ce que je croyais. Oh, mais c'est chouette. Y'a quoi là-dedans? Oh oui, je veux. On va prendre le coffre, je pense que ça peut nous servir. Oh oui, y en a encore un en bas. C'est bien ça. Je sais pas ce que c'est ces trucs, mais c'est super utile. Ça doit être des cryptes ou un truc du... Oh, un coffre en or, hein. C'est quoi ça? Statue de guêpe. D'accord. Ou de frelon. Oh. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Oh oui. Oh oui. Oh, c'est bien ça. Oh oui, c'est bien ça. Et je prends mon coffre en or parce que c'est plus classe.
Ah, c'est génial, on a déjà un accessoire spécial. C'est du fer ou c'est de la pierre là-haut? Ouais, ça, ça brille pas. Ah! Ah! Oh! Oh, mais ça fait mal ces trucs. Ah, il y a un piège qui s'est activé quelque part. Eh, c'est chouette, on trouve déjà un truc super rare. Des grenades et une sarbacane. Ah, il y a de l'argent là-haut. C'est hommage. Ah, c'est ça. On va voir ce qui se passe en dessous. Ah non, pas encore un ver de terre. Ouf. Elle vient, elle vient. J'ai dit viens, pas attaque-moi dans le dos. Mais crève, au pied. Yeah. Non mais oh. Il doit y avoir quelque chose en bas là, non? Ah oui, il y a un vase. Oh, de l'argile, ça pourrait nous être utile pour la maison. Parabam pam. Mais enfin, c'est pas grave. Quoi donc ça là-bas? Un gros trou. Ouh. Qui tombe bah, sur un autre gros trou. Je pense qu'au final, la maison s'est ratée pour cet épisode. Pas vous? Oh, de l'or! Oh oui! Et plein d'argent en dessous! Et c'est quoi ça là? Oh, du topaz! Génial! Ah, ça c'est bien ça! C'est génial, génial, génial! Qu'est-ce que je peux jeter que j'ai en trop? Bon bah. Au revoir! Pour une fois que Timmy t'a pas mangé, te plains pas quoi! Les shurikens, je suis désolé, mais j'en ai absolument pas besoin. Hop! Oh, je peux me faire des. Oh, des torches jaunes! On va éliminer l'or! Miner l'or! Ah, c'est bien ça! On a de l'or! On a de l'or! Ouais! Pam 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 pam. D'ailleurs, elle était où la kryptonite gay? Faudra que je trouve où est-ce qu'elle est pour essayer de la miner, mais. Hop, 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 hop. Je devrais pas trop aller trop loin parce que je sais pas du tout où je vais là. Et je saurais pas comment monter. Quoique si je serais. C'est pas trop loin non plus, je pense. J'en ai pas allé trop loin. Oh, mais il y a encore de la kryptonite gay, mais. Ah bah, c'est trop mieux. On va pouvoir essayer de la récolter, je pense. Comment ça s'appelle? À chaque fois j'oublie le nom. Du bronze, voilà. Du bronze. Oula. J'aurais pas lu. Oh, encore de l'or. Haha. Un tout petit peu, mais. Ah, c'est pour que ce soit sympa d'en trouver, quoi. C'est moi, je colle des coups de pioche au bout de gelée, là. Oh non, pas encore un gros verre. Va-t'en. Va-t'en. Oh. Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique, hein. Sale bête, hein. D'ailleurs, est-ce qu'il a des bonus mon casque? Non, pas du tout. Bon. Tant pis. Pardon. C'est une méduse ça? Bon bah maintenant c'est mort dans tous les cas. Ah, j'ai oublié d'essayer de miner la kryptonite gay. Attends, il faut que je remonte. C'est quoi ce que je viens de voir bouger là-haut? Ouf, j'ai cru que c'était une sorte de grosse bestiole blanchâtre. Alors que c'est juste un slime quoi. Alors, est-ce que je peux miner ça? Bah non, mais là comment je vais faire pour descendre sans péter ma torche? Bah comme ça en fait, en la cassant. Du rubis. J'en ai pas besoin de ça. Hop. Tadapampadap. On creuse toujours plus loin. Et on mine des minerais toujours plus rares. Attends, y'a un truc sous l'eau là, non? Enfin, mis à part le gros morceau de gelée qui est en train de flotter là, mais... c'est de la pierre ou c'est du minerai? Donc ça m'a l'air d'être de la caillasse. Bon. Je crois qu'on en a assez fait pour cet épisode. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne continuation. C'était Monsieur Mania et la question de l'épisode arrive. Est-ce que vous voulez que pour le prochain épisode je continue de miner dans cette mine ou au contraire je m'occupe plus de faire la maison et tout ça? Répondez dans les commentaires comme le dernier épisode. J'attends votre réponse pour le prochain épisode donc qui sortira dans plus tard hein, quand vous aurez répondu. Sur ce, c'était Monsieur Mania, je vous fais une bise sur les deux fesses, je vous rends les studios!